ci problème ndox bi amone fi ci ñeubil gëndjul yaakarna Sénégal yépp déggon nañu ko wante tay ku fi ñew ba nga gis matériel bi fi ñew ak sa taxaway bi nga takaw pour ni safar lool bo ñewé dañu contane ci sa téway fi ci commune ñeubil gëndjul yaakarna problème bi fan yi new dina safar fi la am maire takaw and ak directeur ñuni woté nañ bis 2 milliards 500 millions pour safar problème ndok ñeubil gëndjul kon buñu ko waké fan yi new matériel ba toll ni ñew directeur topa ci de nemek liggéey bi yaakarna liñu wakoon kon amna kon directeur ñogi lay sante di la gërëm de rafel ce téway bi nga téw ci gëndjul tay de nemek liggéey gëndjul ñogi lay ñaanal yalla yalla yokka sa garat de nuyu ministère Idrick de monsieur Mansour Fay takwayam rafel na liggéeyam rafel na ñogi lay yonne ci mom yobante ñogi koy sante wa gëndjul ñogi koy sante dik gërëm de ñaanal yalla yokkal liggéeyam ci mission nga bëb yegg wa salaam bind nañu joyto nañ ko fune bon li yalla di def nak moy il a de cela un mois le directeur monsieur Charles Fay bi tok ñewon na fi kat ne kat du yagg d'ici bien d'ici ay quelques mois di gene gis ni kat ndoxu ganjol dinañu ko safara ah bam ñu ko waxe ba legi comme lima ko waxon lay répéter wat moy yagg nañu tok di gis ay promesses mais des promesses non réalisées legi nak wax deug yalla tay gis nañ ni kat indil nañ ñu ay tiwo tiwo yi mi ngi ni bon gis nañu kat ay dit ñongi gas di ñew comme liñ ko doon waxe rek encore une fois suñu papa ji wax nako ñun ganjol suñu souci bi nga xamanteni mom mo gëna reuy moy problème ndox problème ndox mom bon dañ koy joy ndax tay population bi suñ dé tay population buñ dé 4 ben mo fi nek té ben bo ba légui ñongi souffrir ci problème ndox kon yo xamanteni problème ndoxu ganjol ba légui dafa am dafa reuy kon ñuy ñaan rek bon liguey bi ni mu gëna gaawé pour kat problème yi nga xamanteni dëkk bi bo ba légui ñong koy joy ñu ci safaral ñuko bon di la sante nak ndax té waxon nga ni di nga fi ñëwaat gis nañ ko ben de ndox sal ici à Mumbai dans le Ganjol où nous sommes supposés un réel problème d'accès à l'eau ou en tout cas une qualité de service en tout cas pas assez satisfaisante du point de vue des populations. Il y avait certes de l'eau, peut-être pas assez ou peut-être pas à des débits souhaitables ou souhaités par les populations. L'État nous a instruits et mis en à notre disposition des moyens pour renforcer en tout cas leur alimentation en eau. Et après avoir sécurisé l'alimentation en eau de Saint-Louis, nous avons raccordé cette localité de Ganjol, même de Mumbai, sur le château d'eau de Gabar. Et comme solution viable, nous avons construit un château d'eau sur le site de Ndioksal avec un renforcement, une densification du réseau et une adduction sur un plus gros diamètre. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc c'est la pose de tuyaux de gros diamètre pour renforcer l'alimentation de tous les villages qui sont traversés, notamment Ganjol, notamment Toubé, notamment Mumbai, et qui va au-delà de Mouït, qui est, ou l'Ahrar, qui était le boubou de réseau, que nous allons même dépasser pour desservir l'ensemble des villages qui sont autour. Les travaux, après, nous étions venus ici il y a à peu près 2 mois pour présenter aux populations le projet que nous avions. Aujourd'hui, nous sommes venus constater l'état d'avancement des travaux. Vous l'avez constaté, il y a quelques kilomètres qui sont déjà posés sur globalement un guinéaire de 130 kilomètres que le projet va mettre à disposition des populations pour améliorer leur alimentation. La durée des travaux, c'est à peu près 5 mois, globalement, pour un coût de 2,5 milliards de francs CFA que la Banque mondiale, à travers son programme PMU, a bien voulu mettre à la disposition du gouvernement du Sénégal. Pour ce tronçon, nous allons faire la mise en service progressivement au fur et à mesure que
nous avançons au fur et à mesure que nous dépassons les villages, nous leur ferons profiter également de cette eau en raccordant les réseaux à leur système d'alimentation eau potable et ainsi de suite. Et nous allons couvrir également de leur localité comme Pal, qui est un très grand centre urbain, mais également qui est un site religieux pour accompagner notamment le programme du chef de l'État en faveur des cités religieuses. Nous allons densifier des localités comme Fas, comme Gandon, comme Gandjol, je l'ai dit, Tassinaire, comme également Ngaïngaï et d'autres localités. C'est à peu près plus de 50 villages qui se verront bénéficier quand même d'un meilleur accès à l'eau. Je pense que, je l'ai déjà dit, nous avons investi plus de 5 milliards de francs de CFA à Saint-Louis, où nous avons fait une extension de l'usine de Khor. Nous avons également posé près de 80 km de réseau. Nous y avons fait également une adduction, un réseau d'adduction. Nous avons surtout construit un grand château d'eau à l'entrée pour mieux alimenter des quartiers comme Pikin, comme San, comme Djaminar, comme toutes ces localités. Justement, c'est parce que Saint-Louis même, nous sommes en surcapacité de production que Saint-Louis aujourd'hui alimente Gandjol, c'est Saint-Louis qui apporte l'appoint qu'il faut à Gandjol. Et avec ce nouveau système qui va être mis en service, ce sera grâce à l'apport de Saint-Louis pour qu'à terme, que le relais soit pris par le dispositif de Ngoxal. Je pense que si vous êtes de Saint-Louis, vous devez vous rendre compte qu'il y a moins de problèmes d'eau. D'ailleurs, pour anecdote, à chaque fois qu'on intervient sur le réseau pour des casses ou des entretiens ou réparations par-ci, par-là, les gens ont tellement perdu l'habitude de faire du stockage qu'une heure de coupure, ils les ressentent aussitôt parce qu'ils n'avaient plus l'habitude de faire du stockage à travers les bassines et autres. Mais malgré tout, nous sommes en train d'anticiper sur l'évolution de la population, sur l'extension également de la ville, surtout vers Ngalel, vers Sassanar, Boudjouk. Et nous envisageons construire une nouvelle usine à Saint-Louis pour que l'alimentation de cette localité soit sécurisée au-delà même de 2050, Inch'Allah.